Julie Ricci, après son accident, elle fait des révélations bouleversantes sur son papa. Julie Ricci a fait des confidences touchantes à la suite de son accident et au sujet de son papa sur son compte Instagram. Séquence émotion. Il y a un peu plus d'un mois, Julie Ricci était victime d'un accident. En effet, elle et son fils Gianni ont été renversés par une voiture. Fort heureusement, malgré ses blessures, la jeune maman a réussi à protéger son bout de chou. Après avoir fait des confidences sur sa vie intime, la belle brune a de nouveau pris la parole sur Instagram. Ainsi, Julie Ricci a écrit: balade du dimanche, je crois que baby Gianito apprécie la grande poussette de maman. Je pilote le fauteuil très maladroitement, une grande pensée à toutes les personnes en fauteuil roulant. Je me balade 10,15 minutes pour aller faire les courses et je suis tout essoufflée. Julie Ricci se confie sur son papa et ses bouleversants. L'ex-candidate de télé-réalité a ensuite ajouté: mon papa est en fauteuil roulant, je n'en parle pas souvent car ça me rappelle des souvenirs tristounets. Ce fut à la suite d'un accident qu'il est devenu paraplégique. Nous sommes si chanceux quand nous sommes valides, on l'oublie parfois. Là, mon souhait serait simplement de pouvoir marcher même doucement, mais de pouvoir aller récupérer mon fils à la nounou, ensuite nous balader au soleil en famille, des petits plaisirs simples de la vie qui pour moi font tout. C'est quand il nous manque quelque chose que l'on se rend compte de son importance, que ce soit une jambe, un bras et ou même parfois une personne. Mais Julie Ricci, qui s'est prononcée sur son mariage, ne s'est pas arrêtée là. J'aime me dire que la vie est belle et douce malgré ces petites galères ou injustices que celle-ci nous met parfois sur notre route. Ce sont des épreuves à surmonter pour pouvoir réentrevoir le soleil et réapprécier la vie en général. Beaucoup de personnes ne font que de se plaindre: je veux ci, j'aimerais ça, j'ai pas assez de ci ou de ça. Mais en vrai, on s'en fiche. Apprenez à vous aimer pour pouvoir ensuite aimer les autres, aimer la vie. Levez-vous chaque matin en vous disant: je suis heureuse, cette journée sera belle peu importe ce que celle-ci vous réserve. Un état d'esprit positif attirera là autour de vous du positif. Julie Ricci a donné de ses nouvelles sur les réseaux sociaux et a rassuré ses fans après l'accident dont elle a été victime avec son fils sur Instagram. Il y a quelques jours de cela, Julie Ricci a affolé la toile en annonçant qu'elle et son fils Gianni avaient été victimes d'un accident. En effet, ils ont été renversés par une voiture et la jeune femme a été pas mal blessée. Mais aujourd'hui, tout revient petit à petit à la normale, comme elle l'a dévoilé sur Instagram. Une fois rentrée de l'hôpital, Julie Ricci avait pris la parole sur Instagram où elle avait écrit: une journée de repos avec mon mari et notre fils. Merci à mon mari @cabrir qui prend bien soin de nous. Je peux hélas plus bercer mon fils pour l'endormir dans les bras, plus cuisiner, plus étendre le linge, plus faire le bain de mon fils, à vrai dire plus grand chose, car une fois debout j'ai les béquilles en main et ne peux poser mon pied à terre car j'ai des douleurs assez fortes avec des courbatures de partout. C'est pas tip top mais c'est ainsi, alors je fais avec. J'ai l'impression d'être inutile à la maison pour mon fils et mon mari, ça m'embête BCP, mais PJ est un super papa. Julie Ricci rassure ses fans sur Instagram.
Cette fois-ci, la belle brune a donné de ses nouvelles avec une note plus joyeuse puisqu'elle a posté une photo de son petit bout de chou. Julie Ricci, qui s'est confiée sur sa vie intime, a ainsi déclaré: joyeux 6 mois mon bébé. Au début je ne m'en rendais pas compte quand on me disait profite-en, ça passe vite. Effectivement, quand je regarde des photos de lui à la maternité, je me dis que le temps passe vite et qu'il a bien changé. Baby Gianito Pepito vous souhaite à tous une belle soirée, mais surtout à ses copains les bébés. Et mon bébé a sorti sa première dent du basi, trop rigolo dièse maman gaga. Voilà de quoi rassurer ceux qui s'inquiétaient pour Julie Ricci, qui s'est livrée comme jamais.